tous, voici l'histoire de Choupi chez le docteur. Choupi et sa maman vont chez le docteur. Dis maman, ça fait mal le vaccin? Mais non, tu ne sentiras rien. C'est une toute petite piqûre. Choupi s'installe avec les autres petits. Il y a des livres et des jouets pour patienter. Tout à coup, le docteur ouvre la porte. C'est à toi, Choupi. Le docteur s'assoit à son bureau. Tu me donnes ton carnet de santé? Avant de faire ton vaccin, je dois voir si tout va bien. Maintenant, tu peux retirer ton t-shirt et ton pantalon pour que je t'examine. Allez, monte sur la table et respire bien fort, dit le docteur en passant le stéthoscope. Choupi frissonne. Ouh, c'est froid! Ouvre grand la bouche. Avec l'abaisse-langue, le docteur regarde au fond de la gorge. Ensuite, il examine les oreilles de Choupi avec un otoscope. Tout va bien, pas d'otite. Allez, je vais te faire le vaccin maintenant. Je nettoie d'abord avec un peu de désinfectant sur un petit bout de coton. Maman, tu peux me tenir la main? Demande Choupi. Le docteur fait une piqûre. Souffle Choupi. Et voilà, c'est fini. Puis il met une compresse et un pansement. Avant de partir, Choupi monte sur la balance. Oh, tu pèses 16 kilos. Maintenant, tiens-toi droit devant la toise. Tu as pris 2 cm depuis la dernière fois. Comme tu es grand! Le docteur fait une ordonnance. Je te prescris du sirop au cas où tu aurais de la fièvre. Moi, quand je suis malade, maman prend ma température avec le thermomètre. Le docteur se penche vers Choupi. Tu as été bien sage, tu as le droit de choisir un petit cadeau dans la boîte. Chouette, un porte-clés. Maman, on retourne bientôt chez le docteur. Et voilà la fin de l'histoire. À la prochaine.